Hello les gens, ici c'est Shadowheart, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 15 sur Dead Space 2. Et je vous retrouve pour une troisième vidéo dans cette session qui, eh bien, comme vous l'avez vu à la fin de l'épisode précédent, est forte en rebondissement. Pas du tout en forte en rebondissement, en scénaristique en tout cas, mais en tout cas c'est bâtard. Ils m'ont bien fait peur. On se retrouve avec Isaac Clarke, toujours qui est sous le feu du projecteur. Oh mon dieu, regardez cette star. C'est pas vrai. On s'en bat. C'est pas vrai. Je gênais juste le passage, voilà. Et nous sommes dans l'Ishimura. Vous êtes en train de regarder Dead Space 2, pas Dead Space 1, ne vous inquiétez pas, mais nous sommes dans l'Ishimura quand même, parce que nous sommes retournés dans l'Ishimura, parce qu'on va piloter l'Ishimura, mon grand. Eh ouais. T'as cru quoi? On est des oufs, nous. On va complètement piloter l'Ishimura pour pouvoir passer. Il faut activer ça. Comment ça, elle est déconnectée? Je peux pas l'activer. Ah, il manque des trucs, je crois. Vous voyez, ici, là. Oula, il manque plein de trucs, là. C'est pas des trucs que je puisse prendre. Vous voyez, en fait, il faut des morceaux pour terminer le tube, bien évidemment. Voilà, petit casse-tête. Non, clairement ça va pas là, hein, mon gars. Ça va plutôt ici. Ouais, je serais plutôt du genre à dire ça. Toi, ici. Non. Plutôt aller là. Ouais, pas mal. Et donc nous sommes dans l'Ishimura et on va s'arranger pour que l'Ishimura redémarre. C'est-à-dire, on va lui filer. Eh bien, de l'énergie. En rallumant la centrifugeuse que l'on avait. Chose qu'on avait déjà faite. Dans le 1. Hein. On l'avait déjà faite. On avait déjà rallumé la centrifugeuse. Mais bon, il faut croire qu'ils aiment bien l'éteindre toutes les deux secondes. Visiblement. Très bien, c'est connecté. Je vais récupérer ça avant qu'elle se réactive et que je ne puisse plus. Remettre à droite. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à récupérer pendant que j'y suis? Non? J'ai pas l'impression, hein. Ouais, d'accord. Alors. Ensuite. Ah bah si si si. Ah bah si si si. C'est des choses quand même. Voilà, ça. Ça. Encore un petit truc. Ici. Voilà. Très bien. Et un petit dernier, par hasard. J'ai pas l'impression. Donc on va partir sur ça. La centrifugeuse tourne. C'est une bonne nouvelle pour une centrifugeuse. Je vous avoue que si elle ne tournait pas, ça risquait d'être un peu compliqué. Allez, allons-y. Et ici, c'est toujours le truc pour descendre en bas. Ok, tout va bien. C'est parti. Voilà. Les barrières sont restaurées, tout va bien. Parfait. Oui, il y a juste à sortir, on est d'accord. Waouh. C'était étrange. Ah oui, non, elle se remet bien à tourner, c'est bien. Regardez-moi, regardez, oh, regardez comme c'est beau. C'est très beau, j'aime beaucoup. Et on repart en toute sécurité. Et c'est ça qui est bien. Et surtout sans gros tentacule dégueulasse qui va essayer de nous attaquer. Mais non! Mais c'est une blague! Mais c'est une blague! C'est en effet une blague. Les enfoirés. C'était une blague. Les enfoirés. Quelle bande d'enfoirés. Non. Oh, je t'ai empalé avec ton bras. Dans le trou. T'as vu? T'as vu? Hein? C'était beau, hein, tu t'y attendais pas à ça. Non, je veux prendre le... Non mais je m'en fous de ça. Prends le... Non. Pas que je prenne le... D'accord. Très bien. Je crois que vous voulez pas me faciliter la tâche. Ellie, centrifugeuse activée. Je retourne à la station de tramway. Ok. Nous sommes presque détachés des rails magnétiques. À bientôt. Très bien. C'était quoi ce bruit là? Excusez, je vais prendre ça. Ça pourrait me servir peut-être.
Je me suis dit. Ça pouvait me servir. Genre ça. Genre ce mec là. Hein? Il va venir par là-bas, c'est ça? Monsieur? Non. Oh! Oh, je l'avais pas vu. Oh, il y en a partout. Non. On arrête les gosses. On arrête. C'est plus drôle les gosses. Arrêtez, j'étais en pleine décontamination. On meurt les gars, on meurt. Putain bordel. Ah là je suis dans la merde. Ah. J'ai plus de balles. J'ai vraiment plus de balles. Bordel, vous étiez combien à m'attendre pendant 3 ans là? C'est pas possible. Putain, vous avez dû vous faire chier pendant ce temps là, hein. Personne à bouffer, personne à tuer. La vie nécromorphe, c'est pas rigolo tous les jours visiblement. Une mission qui m'attend dehors, je vais bien. Voilà, c'était une décontamination, hein, c'était, voilà, le particulier. Isaac, Strauss commence à m'inquiéter. Écoute. Je n'aurai pas, n'aurai jamais mon fils. Papa n'est pas un tueur. Strauss, je ce n'est pas lui. Si c'est lui, vous n'avez pas suivi les étapes, c'est pour ça. Strauss, l'aiguille vous montrera. Strauss, tournevis. Strauss, Ellie, merde. J'ai sursauté tout seul quand le truc a explosé, je m'y attendais pas. Ok, donc... Attends. Ok, donc c'est bien ce que je pensais. Malheureusement... Ah non! Non, j'ai rien dit, ça ne supprime pas les objets, c'est juste que la dernière fois, j'ai pas pu... Je l'ai pas récupéré, l'objet, c'est tout. Énormément, beaucoup de balles de ce flingue-là. Peut-être que je le booste un petit peu, le fusil. Ça pourra peut-être me servir, surtout qu'il a un lance-grenade intégré, ça pourrait être sympa. Par contre... Sérieux, mais l'abruti, quoi. Déjà, d'où il a trouvé un tournevis, et il lui a planté le bras, quoi. Il lui a planté un petit coup de tournevis dans le bide. Petit tournevis des familles. Allez, je regarde du bon côté. Je sais qu'il y a quelqu'un. Sortez de là. Non, il y a personne. J'ai rien dit. Il n'y a personne. Je vais déposer mes affaires. Vite fait. Alors ça, genre, j'ai pas besoin de tout ça, quoi. J'ai pas besoin de tout ça du tout. Ça, je m'en sers pas. Je m'en sers pas non plus. Ça, je vais le vendre. Regarde, des javelots. Je peux en récupérer quelques-uns. Je vais récupérer ça. Et le reste, on est ok. On est complètement ok. On est ok. J'ai 31 000, donc je vais encore prendre des points de force. J'en ai à foison. Hein. Mais ça fait plaisir. Par contre, truc que je n'ai pas pris, c'est les balles. Les balles de cutter que j'avais encore là. Voilà. Ça me fait 8 balles en rab de celles que j'ai déjà. Franchement, ça le fait. Ça le fait. Allez, on y va. On va voir ce que ce magnifique patient Strauss a encore fait à Ellie. Ça va, les gars. Ils organisaient une petite fête. Allez, on explose. T'es sérieux, toi? Non.
Boum. Très bien, c'est très fort. Oh l'enfoiré. Le mec, il est arrivé comme ça. C'est bon? Vous avez fini vos codes? Mais laissez-moi rentrer chez moi. Oh, Peng est toujours là. Et high speed. Ok, on y va. Ça a fait un bruit chelou. Merde, Zach, ça fait mal, ce con m'a mordu. Mordu? Putain. Oh merde, est-ce que ça va? Je vais bien. Mais il parle plus et il veut plus me regarder. Et de ton côté? Oh, j'ai cru qu'il lui avait planté le tournevis, le con. J'y suis bientôt. Ça va. Je vais à la passerelle pour activer les rayons tracteurs. Ok, ils arrivent par l'unité médicale. Tu ferais mieux de la contourner. Obstacle repéré sur la voie. Mise hors tension. Bienvenue à l'unité médicale. Merde. Je pense que toute cette histoire doit se passer un vendredi 13. Ouais, ça doit être ça. Mais si j'ai peur, arrête. En plus, tu fais des bruits chelous, putain. Mais ça va? T'as besoin d'aide pour faire sauter les vitres comme ça? Je peux m'en charger, hein? Regarde, moi aussi je peux. Eh, il a explosé, là, 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 tu t'y attendais pas. Putain. Ouais, bah. Oh, putain. Wouah! Le fait de me rappeler de cet endroit. Comme toi, toi. Là? Yes. Fou. Très bien. C'est les lames de l'hélicoptère que j'aime le plus. On va l'utiliser un peu. Puis bon, c'est rigolo l'hélicoptère, non? Vous trouvez pas? Et puis j'en récupère encore plus. Très bien. J'entends une larve là. Vous savez, les trucs dégueulasses là. J'en entends une. Ok. Oh, un point de force. Et ceci aussi. Oh non! Oh non, putain, vous vous souvenez ça? Si vous ne vous souvenez pas, c'est la merde. Ça c'est la merde. Ça c'est le signe que c'est la merde. Parce que ça veut dire qu'on va retrouver notre cher ami, notre cher monsieur invincible. Le mec qui était invincible. Et qui était là-dedans. Et qu'on avait enfermé. C'est mieux quand t'es mort, hein, je te le dis. J'ai plus assez de munitions de ce truc là. J'ai plus assez de munitions de cutter plasma. Ça va chier. Hein. Oh mon dieu, ça va être terrible. Ça va être horrible. On y va. En fait, c'était un piège. Le machin était censé arriver derrière moi pendant que je piratais. C'est ça? Ah bâtard! Qui a tiré? C'est toi? Enfoiré. Merci pour les balles, mais enfoiré. Ok, on y va.
Ouvre. Voyons. C'est pas parce que je clique à côté que... Hein? Tu n'ouvres pas, mon enfant. Ouvre quand même. Anticipe. J'adore tellement l'effet que ça fait. Non, putain, cette salle... Par contre, je suis pas d'accord. Cette vitre était cassée. Je l'ai cassée en m'énervant dessus. Oh, putain. C'est ça, je sais pas qui s'est lâché ici, mais c'est ça, là, hein, les gars. Franchement, ça se fait pas. Putain, je... Isaac, c'est moi. J'aurais aimé te lever. Oh, putain. Je regrette tellement pour tout. J'aurais aimé parler à quelqu'un. C'est trop de bazar ici, je peux pas croire tout ce qui se passe. C'est... bizarre. Chose. Fin de compte, ça ne tient qu'à une toute petite chose. Je voulais pas finir comme ça. J'aurais tellement aimé te revoir. Une fois. Je t'aimais. Je t'ai toujours aimé. Et c'est le décès! Très bien, c'était la joie! Ok. Pour info, c'était ici qu'étaient stockés les mecs qui étaient invincibles, hein, du coup. Les monstres qui se... Enfin, ils sont pas invincibles, en fait, ils se régénèrent. Du coup, c'est très très chiant. Parce qu'à moins de les stopper pour de vrai... C'est-à-dire de les congeler, de les mettre dans un truc ou je sais pas quoi. Ils vous suivent partout jusqu'à la fin des temps. Et c'est très long. C'est très très long. Wow. Wow. Attention, j'ai un escabeau. Hein. Je ne décolle pas. Dégage, escabeau. J'ai des produits vaisselle. J'ai un balai. Ah par contre, putain, mais non, je suis con parce que le balai, c'est une arme. Franchement, le balai, c'est une vraie arme. Ça, non. Ouh, les vilains. Prends ça, toi. Ok. Je déteste quand je manque un coup. Les balles, c'est précieux quand même. Attention, ceci est un harponneur. Bon. Il y a toujours les mêmes conneries en bas, c'est incroyable. Toujours pareil. Allez, viens. Mais... Elle atterrit où là? J'étais en train de regarder là-dedans moi. Dégage. Alors, donc déjà. Allez, amenez-vous. Je sais que vous allez vous ramener. Voilà. Non. Voilà. Non, tu te calmes. Voilà. Perds ton bras. Tu te calmes. Commence à manquer de stage. Ok.
petit peu. Légèrement, un petit peu. Bon, par chance, lui était vraiment mort. Oui. C'est très simple tout ça. Bonjour, qui n'est pas mort, qui est mort, veuillez lancer tout de suite. Merci. Merci. Très bien, j'aime les points de force, très bien. C'est très 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 bien, j'adore ça. Et en plus, il y a un plan juste de l'autre côté. Parce que je me souviens que dans le 1, il y avait un plan juste de l'autre côté. Ok. Ah! Je sais pas pourquoi je fais ça. Quoi, mais... Arrêtez les conneries. Ok, j'ai de la chance, il me reste un peu de stase. C'est bon, vous avez fini vos conneries, on peut reprendre le taf. Merci. Quelques balles seraient la bienvenue aussi. On va se contenter des jobs. J'en ai 23, on va se contenter de les utiliser aussi. Ce serait pas mal. Oui. Oh! Toujours regarder. Très bien. Ah, le planque est intact. Allez, on va ouvrir ce verrou. De force. Attention parce qu'il peut toujours y avoir des monstres à l'intérieur. C'est pas parce que c'était protégé que ils vont rien vous mettre. Ne vous inquiétez pas. Le petit soin qui fait plaisir. Ouais, il y a du soin encore. Soin max. Ça va faire. Attends. Tu vas pas me faire croire que. Bah. Alors, j'ai plus de place, tu te fous de ma gueule. J'ai plus de place. On utilise ça, voilà, t'as la place. Et voilà, j'ai de la place. Nickel. Nickel, Michel. C'est l'heure d'attribuer des points. Alors, du coup, je vais peut-être améliorer le fusil. Ça pourrait être pas mal. Attendez, non, attendez, il me reste ça. Voilà, il est full amélioré, on est bon. Le fusil d'assaut. Ah, je serais tenté d'accord. Je serais tenté quand même. Plus de dommages, plus de capacités, plus de tirs alternatifs, plus de capacités. Plus de capacités. Allez. Oui, je suis parti en mode d'aller j'améliore tout le reste maintenant. On s'en fout. Franchement, avec ces deux armes. Rien qu'avec ces deux armes là, je fais tellement le ménage que le reste me sert un peu à rien. Disons que c'est du plus. C'est que du mal. Bon, ici ça va pas le faire. C'est beaucoup trop serré. Ici ça peut le faire à la rigueur. Allez. J'en sais rien. C'est la question que je me suis toujours posée, d'ailleurs. Quand j'ai fait le 1, je me demandais, mais quand c'est qu'on va voir Nicole pour de vrai? D'accord, les mecs m'ont carrément remis un autre truc. Mais les mecs sont sympas comme tout. Ah, tellement de bons souvenirs ici, des choses qu'on a fait exploser, tout ça. Les bombailles. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vais juste aller... Voilà, je suis en train de perdre la tête, j'étais en train de chercher le stock, je l'ai pas trouvé. Juste aller vendre les conneries que j'ai récupérées. Voilà, on va vendre ça, ça, on va le stocker, ça servira pour plus tard. J'ai tellement récupéré de soins. Attends, mais j'en ai pour combien de temps là? Regarde, j'en ai, je sais pas combien de temps. Ouais, on va vendre. On va vendre, ça sert à rien d'en garder autant. Voilà. Les petits, à la rigueur. Hop, on va regarder un là, ça. On va le balancer de l'autre côté, ça on va le garder. Les trucs de découpeur, on va déplacer. Ça on déplace, ça sert à rien. Mais on sait jamais. Parce qu'on sait jamais.
et on va acheter plein de points de force. Voilà. En tout cas, je vais vous donner rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Dead Space 2. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne nuit. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Allez, salut, salut à tous.